Ok, je me dépêche, juste je réponds au téléphone. Salut YouTube, ça va? On reprend directement? Hey Holmes, attends. I've been busy. Caesar, what's up? I can smell Nacho's oxide from a mile off. Racing, my friend. Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast. What are you talking about? Street racers from San Fierro. Yes, on va commencer à faire les courses. No chota choppers. You wanna make some money? Does the Pope shit in the woods? Ah, je suis chaud, moi. Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. What Holiness does is his business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man. All right. C'est parti pour le nouvel épisode, du coup, de San Andreas. Alors là, on a du coup les petites courses. Moi, je suis bien chaud pour aller faire une petite course. Peut-être que ça va faire un petit peu plus de mailles. On va aller voir tout de suite. On perd pas de temps. Let's go. On commence à palper. Là, on est à 12 000. Mais c'est un truc de ouf quand même, comme c'est hyper, hyper lent. Genre, on a toujours pas de fusil d'assaut, de lance-roquettes. On n'a pas... Ça prend son temps, hein. Oh, il y a une poursuite, course poursuite de PNJ. L'IA qui pète un plomb. Oula, je vais me faire gaffe parce qu'ils vont me foncer dedans, là. Ils essayent de choper qui? J'ai envie de voir ça. Ok, les amis, nous sommes en pleine course-poursuite actuellement en direct de San Siro. La police qui est derrière le suspect dans une voiture lowrider noire. Il prend une voiture, attention, il se fonce dedans. Et c'est l'accident, carambolage. Que va faire la police? Elle descend du véhicule, mais l'homme fait demi-tour. Ils vont ouvrir le feu. Mon Dieu, il remonte dans la voiture. On continue toujours. Reporter live, vous êtes sur BFM. Et le suspect qui prend la fuite, porte ouverte, attention. On a sa plaque, hein, on a sa plaque. On est sur quoi? NF07BLW. J'ai vraiment envie d'aller au bout de cette aventure. Ah, mais je crois que ça y est, c'est fini. Non. Et la police, hein, qui a été semée, visiblement, nous dit notre reporter, le lowrider noir, qui continue sa course en direction de la ville. Et je crois que c'est fini, hein, c'est fini pour la police, effectivement, on me dit à l'oreillette, il casse les panneaux, il casse tous les feux rouges. Ah, ça tire. Ah, mais c'est pas pour lui, ici. Si. Ça tire pour qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Eh non, c'est bon, il fait son petit tour. Toujours en direct, hein, de San Siro, le District 8. Et non, il semblerait que le suspect vit sa vie tranquille. Et ça y est, il reprend son petit bonhomme de chemin. Il continue quand même néanmoins à rouler comme un ouf. C'est fini. C'est la fin de cette aventure. Malheureusement, la police a abandonné. Et on va pouvoir le laisser. Ils ont abandonné si vite. C'est plus ce que c'était, la police. Avant, ça traquait les gangsters. Ça faisait des grosses fusillades. Ça écrasait même les piétons. C'était la belle époque. Mais maintenant, avec toutes ces règles 2021, ils sont plus aussi funky. Sont trop dans les clous, vous avez vu, ils ont pas voulu pousser l'accélération, ils ont commencé à ouvrir le feu, puis après ils ont arrêté. J'aurais aimé les voir aller au bout, faire péter la voiture. Oh, voilà. Tout va bien. Ouais, c'est pas vraiment calme la vie de campagne. Ils en perdent pas une, hein. Et non, vous avez cru que j'allais prendre le poteau, mais non, c'était une feinte. Hop là. Oozy Moo. Nouveau personnage, peut-être? Non. Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Ah bah oui, là, ça va être les courses. Sorry, urbaines. Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. C'est le personnage de GTA 3? You getting high on that country beer, man. Hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? Comment il s'appelle? Grove Street Family, Los Santos. What's happening? Vous l'avez vu ou pas? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Woozy Moo. But my friends call me Woozy Moo. How are you doing? CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck. Tommy? Non, c'est pas Tommy. Ah, c'est Claude. Mais si c'est Claude, les gars. La vie de ma mère. Regardez. Bien sûr que c'est Claude. Vous êtes fous. Bien sûr que c'est Claude.
Oh, ça commence direct. Oh, ma voiture, elle est déglinguée. C'est peut-être pas la bonne. Et c'est parti. Moi, j'ai fait les courses what the fuck dès les ultimes. Vous avez aucune chance. C'est fini. Restez derrière, c'est fini. Vous avez aucune chance. Je vais vous mettre à l'amende, vous allez voir. Vous faites face à l'un des plus grands pilotes de Los Santos. La légende des courses what the fuck. J'en ai fait des wall rides, oh oui. Oh, c'est déjà gagné. Hein. Non, mais voilà. C'est ça. Bon, faut pas que je déconne non plus, faut faire gaffe parce que ça peut vite partir en couille entre les ponts invisibles et compagnie. Attendez, je vois plus le chat. Oh. Ben oui, c'est Claude, bien sûr. C'est carrément Claude. Et d'ailleurs, c'est parce que dans GTA 3, vous travaillez pour cette famille-là, la famille Wongzuzu. Wongzumu. Oh putain. Et du coup, là, à mon avis, ça doit être leur chauffeur, un truc comme ça, je sais pas. Ça, tu vois, c'est un truc que j'aimerais vraiment voir dans GTA 6. L'évolution des personnages. Mais peut-être plus qu'un clin d'œil. Oh, je vais vraiment le faire. Ah non. Comment perdre une course en 2 secondes? Voilà. 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 C'est fini. Voilà, c'est fini. J'avais pas dû faire ça. J'avais pas dû. À quoi? Je dois tout refaire? Oh non. Non, là, c'est trop, là. Mais non. Tout ça pour un... Tout ça pour un tremplin. Vas-y, je vais me venger sur... Je vais frapper. J'ai la rage au ventre. Ah, je suis un monstre. Voilà, bouffe, enculé. C'est de ta faute. Bon, faut que je me trouve une caisse. En fait, ma caisse, elle était genre trop bien. J'ai plus d'armes, j'ai plus rien. Voilà. Comme ça... Comme ça, c'est réglé. Est-ce qu'on quoi? On se prend une moto ou... Ah, pas de gueule. Je pense qu'il faut que je retourne... parce qu'en fait, la voiture en face de chez Catalina, elle est juste trop bien. Ah ouais, faut que j'aille manger aussi. Bah attendez, on prend la bagnole et on va manger parce que là, on va mourir. Là, on va perdre tous les muscles. Let's go. Wouhou! Oh non, je vais refaire la même erreur que tout à l'heure. Non! Non! Oh, ça va, c'est... Ah non. Bon, ça va. Bon, c'est pas grave. Je suis arrivé. On va dire qu'il s'est rien passé. Oh, regardez, j'ai un halo autour de moi, comme si j'étais un être supérieur. Le fantôme de CG. Allez. Et là, du coup... On retourne là-bas. Mais ouais, du coup, je disais, j'adorerais que dans GTA 6, parce que par exemple, dans GTA 5, on voyait un peu Johnny Klebitz de GTA 4. Mais bon, pas plus que ça. Puis surtout qu'il s'est fait défoncer, quoi. Mais ce serait bien, imaginer dans GTA 6, de revoir Nico Bellic, tu vois, faire des missions avec et tout. Un peu fanservice, quoi, mais bon. Allez, juste peut-être voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Juste ça, déjà, peut-être. Voir ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils font. Ça, c'est cool. Allez, on y croit cette fois-ci. C'est la bonne. Y'a quoi? Y'a que 4 concurrents, là. Allez. Je vais les envoyer dans le décor. Voilà, un en moins. Qui est le suivant? Qui est-ce qui va aller prendre l'eau? Elle est super bonne, à ce qu'il paraît. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on déconne pas. Oula. Oula. Le deux roues qui fait peur. Tout va bien. Ah, y a ma moto de tout à l'heure. Putain, elle est encore là. C'est ouf. Elle a pas des pop. Incroyable. Elle me fout la technologie. Voilà. Je pense que je vais pas faire le saut hein, cette fois-ci. Je vais pas faire le jump. C'est normal que je me rappelle plus d'être passé par là. Ah si, c'est bon, je me rappelle, là, je me suis pris le mur. Ok, c'est bon. Ah mais j'ai pas le choix en fait. Allez, bâtard.
Non, mais c'est quoi ce jeu de merde? Mais c'est un jeu de merde! Putain, mais non! Mais quel jeu de merde! Putain de merde! Vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé! Je vais aller manger un burger! La pire course! On n'a rien vu, c'est rien passé. Non, mais là, franchement, c'est abusé. Il n'y a rien en plus dans cette ville, je suis où là? Il n'y a même pas un fast-food, rien. Est-ce que je peux faire la course en moto? Non mieux. Putain de merde. Je crois que je pourrais pas, mais bon. Sérieux, là, c'est... J'ai voulu éviter le saut. Au final, je me suis quand même retourné, quoi. Mais c'est trop mal fait, en fait. Il n'y a pas la place pour le saut. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est l'enfer. Tu ne peux pas participer avec ce véhicule. Je suis sûr qu'il y a une voiture pas loin. Je suis sûr qu'il y a une voiture garée. Non, même pas. Non, même pas, mais c'est une petite. Ah, je prends une voiture de merde, hein. Enfin, je roulerai moins vite. Après, je sais pas si je vais... Avec une voiture comme ça, allez. Je sais pas si je vais y arriver avec une bagnole comme ça, mais écoute, on va essayer, hein. Peut-être l'autre, elle est peut-être plus rapide, non? Oh, elle a disparu, elle a dépop. Ah, on va prendre une comme ça. Ça, ça devrait le... Ah bah non, c'est la même. Merde, y'a que des voitures de merde. Ah, celle là-bas. Celle-là. Ah bah en tracteur, j'ai aucune chance, vous êtes fous. Excusez-moi, je vous emprunte la voiture, je dois faire une course. Voilà. Allez, à toute. Hop là. Et c'est parti. Bon, là, ça va être un peu plus dur. La technique, c'est de les envoyer dans le décor. Ah oui, là, je me traîne. Oh là là, l'enfer. Ah, l'enfer, je suis une victime. Oh bah voilà, un qui est tombé tout seul, nickel. Là c'est le deuxième que je vais envoyer. Ah non mais... Mais non, mais Claude, c'est Claude en plus, non? Eh, la voiture elle a respawn en plus. Oh là bah ça va être compliqué, hein. Oh man, la vitesse du bousin. Oh là 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 là. Ah j'ai pas mangé, y'avait pas de fast food, hein. Allez, faut que je bombarde. On l'a déjà fait les gars, on l'a déjà fait dans le Daily Ultimate. On a connu des courses comme ça où on est dernier. Et on s'est révélé. On a montré de quoi on était capable. On est remonté. Allez. Oh, faut que je fasse gaffe. Oh. Oh. Attention, ça c'est dangereux. On y va. Oh le bâtard. Oh j'ai eu chaud. Oh j'ai eu chaud. Allez, on y croit. Voilà. Comme ça que ça se passe ici. Voilà, ça c'est propre ça. Bon maintenant faut que je fasse gaffe. En fait t'as vu j'ai mis un gros coup de frein parce que... Oh je suis passé. Mais non. Mais... C'est un jeu de merde. Non mais franchement là c'est de la merde, je suis désolé. Si tu vas trop vite, tu passes. Tu te prends le toit. Si tu vas pas assez vite, tu te retournes. Si tu passes à côté, tu te retournes. Ah, et puis ils me font spawn ici. Oh non, mais là, c'est trop. Je te demande un remboursement. Bah ouais, en fait, attends. Je vais analyser. Non, mais il faut vraiment que je freine, mais comme un porc, en fait. Parce que même si... Il faut que je passe entre les deux. Ok, il faut que je passe là, entre les deux. Donc là, je freine à fond. C'est le pire jump, les gars. C'est le pire jump. Après, si je passe à fond, en fait, vraiment, je vais me prendre la petite pointe. Je le sens pas du tout. Bon. Sale histoire! Qu'est-ce qu'il a fait, son petit sub, là? Isa, qui a encore offert un petit abonnement pour passer à 64. On passe sur un petit 64. Alright. Bah, on est reparti, hein. Putain, l'aura mérité hein, quand même cette course là, c'est vraiment la pire course. Non, je vais passer sur le côté les gars, vraiment je la fais pas. C'est bon, j'en ai eu assez. Oh. Hop là, putain il s'arrête net hein, ça c'est gentil. On va faire un essai, ok les gars on fait un essai, genre à fond de cale. Allez, fond de cale.
Allez, pousse! Pousse! Regardez! Ah, vous voyez? Non, c'est vraiment, c'est de la merde. Je pense qu'il faut vraiment que je freine et que je passe entre les deux. Tu es capable d'accomplir des grandes choses. On y croit. Vous devez croire en moi. Vous devez m'encourager. Et on va se bouffer un truc. Parce qu'on perd, on perd de l'énergie. En ce moment, c'est pas bon. On fait pas de sport, on mange que des pizzas. Les calculs sont pas bons, le régime n'est pas bon. Choose from aspiring range. On va se prendre un menu salade quand même, parce que là. Là, c'est pas bien. Here you go, enjoy. C'est pas bien. Et Noistek qui offre un petit abonnement à Luluraké. Merci pour lui. Ah, mais en plus, on va se taper la course en pleine pluie. Plus de sperme. Parfait. Oh là 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 là. En fait, ce qui est dur, c'est que par rapport à GTA 5, vous savez, quand t'es dans les airs, tu peux contrôler un peu ta bagnole, genre. Et là, tu peux pas, genre. C'est YOLO. Tu es la petite salope de la gravité. Tu es à sa merci. Allez. Oh non! Bon, tant pis. Je suis con. Je voulais juste prendre la voiture et finalement j'ai fait la mission. Bah, c'est pas grave. On va oublier cette course. On va faire une petite mission braquage. I read it in books, I hear it in music, do all the same. Fuck this, fuck that, well fuck you! Tell me your story. I gave to you as a woman. No, no more. From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean, you breaking my heart. I'm warning you, I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me. Especially you. Move! Délicat, hein? I feel good today. Délicat. Like a woman reborn. Cool, maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk. Allez, really... dernier braquage avec Catalina, oh, comme ça. Elle nous laisse tranquille. Oh merde! Oh putain, Catalina! Amen to that! Oh, j'ai cru qu'elle allait me virer de la bagnole et me frapper. Désolé, je suis allé un peu vite. What's wrong? Nothing, I just hate men. Well, give me a break. Here's your break. Your break is you're not on my barbecue being eaten. Well, that's one way of looking at shit, I suppose. Allez, à toute vitesse. Elle trace, hein, cette bagnole-là. Drive, lover. Let's go! Et Noistek qui fait péter les 5 subs. Merci beaucoup. Merci pour le cadeau. Et bienvenue aux nouveaux abonnés, du coup. Vous pouvez le remercier. Merci. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Tout le monde offre des subs. Trop généreux là. Allez, braquage de la banque. Catalina, miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar. No, bitch. I'm going to empty the safe. Keep these idiots covered. Alright, you heard the lady. No heroic shit. Braque ton flingue sur le personnel pour qu'il flippe. Ah oui. Oh, wow. Mais what? Mais j'ai même pas eu le temps. Mais qu'est-ce qui se passe avec les missions aujourd'hui? C'est quoi ce délire? Shit. Just bought another donut. Don't criminals have any consideration? We can collect that bribe later. Might as well go and take a look. Putain. Et du coup, il y a les flics qui arrivent. Ça va être la merde. Hein. Oh
Ah, mais on va avoir que dalle en thune. Merde. C'est moi qui me tape tout le boulot. Oh waouh. Oh, c'est stylé. Ah, un flingue, vite. C'est la merde. Mais peut-être c'est fait exprès, non? C'était scripté. Wouah, tout ce qu'il y a. Oh, y'a un hélico et tout. Oh là 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 là. C'est la merde. Oh, il m'a fait peur, lui. À la foutre. Qu'est-ce qu'elle fout, elle? Allez, on y va, on y va, on y va. J'ai pu... Ah ouais, j'ai même plus les C4 et tout, du coup. Ça, ça fait chier. Et on perd un petit peu de muscle. Aïe, aïe, aïe. Je vais mourir, hein. Voilà, comme ça, c'est réglé. Y'a rien qui va dans cette VOD, moi, je vous le dis. On a fait un sans faute tout à l'heure, et là... Oh, putain. Ok. Ah, mais... En fait, c'est bugué parce que... Comme il y a la visée auto, t'es obligé de viser qu'un seul. Et comme t'en vises qu'un seul, les autres ils baissent les bras. C'est débile. C'est de la merde. En fait, il faudrait enlever la visée auto juste avant cette mission. En vrai, je pourrais le faire. Hein. En vrai, je peux le faire. On va le tenter. On va le tenter. Je vais mettre visée libre et je vais me laisser mourir. On va brain le jeu, les gars. Ne vous inquiétez pas. Allez, vas-y, tue-moi. Il est où? Bah, il me tue ou quoi? Il est où? Ah, mais il est là. Je suis là, hé, oh. Ici. Quand je veux mourir, il n'y en a pas un qui me tue, mais c'est quoi ce jeu? Allez, tuez-moi, là, on n'en parle plus. Je suis votre homme. C'est du foutage de gueule. Allez, salut les gars. Imagine, ça passe. Non, mais quand t'as pas envie de te faire tuer, les mecs, ils te mettent que des têtes. Et là, je fais exprès de me donner. Y'en a pas un pour mettre une balle, quoi. Ok. Là, ça marche. Ok. Ouais, vous voyez, là, ça marche. Si je fais ça, en fait. Ouah, c'est chaud. Ouais, gros, c'est impossible. Ou alors, il faut que je fasse que sur le policier. Attends, on va essayer. On va essayer. J'ai envie de comprendre. Parce que lui, il est pas armé, j'imagine. Je me demande en fait si c'est pas scripted. Voilà. Je vais faire que sur lui maintenant. Ah ouais, mais si je, voilà, si je fais pas sur les autres, il donne le signal. C'est chaud en vrai. Ah ouais, non, mais y a rien qui va. C'est pas possible, on est d'accord. J'ai l'impression que dans tous les cas, c'est pensé pour que... Allez, on le fait en force, grave. Allez, on va y arriver. Il faut briser la malédiction. Qu'est-ce qui tire? J'ai un flingue. Oh, la roulade de l'extrême. Oh. Oh, j'ai pris tarif. El Chapo. Vamos, gringo. Et comment il tombe? Comme du n'importe quoi. Oh, la visée, mon zinc. Hop là. Oh waouh, elle m'a sauvé la vie. Nice. Bien joué, ça. Oh non, mais...
Oh mon dieu, c'est une catastrophe. C'est une... Mais regardez, je l'évite, ça fait rien. Vas-y, je le flingue, c'est bon. Allez, je me mets tout sous l'air. Ah merde. Putain. Y'a rien qui va. Allez hop. Plus rien à foutre. On fonce dans le tas. Et c'est là que je me rappelle que San Andreas, il y avait certains moments un peu comme ça. C'est catastrophique. Où vraiment l'émission, elle rime à rien. Allez, let's go. On n'a rien vu. Oh là 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 là, je prends des dégâts, mais je ne sais même pas d'où. Laissez-moi tranquille. On va les tuer de loin, là. Comme ça, on sera safe. L'ascenseur est horrible. Attendez. Il est trop loin? Ah, je le touche pas, je le touche pas. Merde. Ah bah, elle est en train de les flinguer. Oh, nickel, hein, ça me va. Allez, meurs! Voilà. Ok, donc là, on va essayer de se trouver une voiture directe et se barrer. Ouais, j'ai gagné un petit peu d'argent en les tuant. Oh. Ah, bah, il y avait pas ça tout à l'heure. Mais il manquait un truc en plus. Bah, est-ce qu'il y avait pas de véhicule? Ouais, j'ai eu chaud là. Oh, elle m'a flingué. Oh non! L'erreur du joueur français, non! Oh. Ouh! J'étais pas censé la prendre tout de suite. Ah, il y a des trucs qui vont pas hein, quand même. Là, vous aurez pu encoder un peu l'émission. Hein. Allez, c'est parti pour la course poursuite. De l'extrême. Oula. Je vais vraiment péter un plomb. Oh putain. Oh, je vous jure. C'est vraiment là, c'est la malédiction. La soirée maudite. Et je joue quand même. Là, il n'y a rien qui va. C'est un cauchemar. Sortez-moi de ce cauchemar. Bon, voilà, on est complètement pas... Ah bah, je me fais livrer une moto, regarde. C'est très sympa de penser à moi, parce que tout le monde m'a oublié, visiblement, même le jeu. Parfait. Bon, bah, j'ai plus qu'à les rattraper. On va juste rater toute la course poursuite, mais c'est pas grave. Ça tombe, il y avait des trucs stylés, il y avait des... Oh, c'est nice, ça. Hein. Il y avait peut-être... Katayna est cernée par les keufs. Sauf là, il ramène-la à la planque. Ok, ok. Mais regarde, je vais perdre une étoile. Hop, j'en ai plus qu'une. Du coup, on a peut-être raté des cascades. Hein. Oh, waouh. Wow, le carnage. Je vais plutôt prendre une ambulance. Je serai plus à l'abri. Give me the force. Que la force des coquelicots soit... Oh bah. Non, y a rien qui vole. Tous les flics ont disparu, toutes les voitures ont disparu, y a plus rien, regardez. Y a vraiment rien qui vole. Is that all you care about? Money? No, but I really need to pay. To revolt me. You make my skin crawl. Well, I ain't crazy about you either. That's just it. How little you know. Don't talk. Let us enjoy the peace and quiet. Allez, on va la déposer. C'est terminé, le cauchemar est fini. There you go. Thanks. One day, Carl Johnson, you will realize. She truly loved me, and your heart will break in two. But you are more like the spiny lizard than a man. Goodbye. Allez, salut. On en a eu assez. Enfin, cette musique. Enfin. Merci. Ouh. Eh ben, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Tu as gagné $136, bravo. Merci. Je vais quand même prendre sa voiture et on va finir la course. Comme ça, on sera fine. Faudrait... Je crois qu'il y a un bug de son, en plus on entend le vent là. Allez,
On y croit, on a réussi le braquage, maintenant on finit la course et c'est réglé ces histoires. Ah merde, j'ai pris 10 000 dollars, j'ai même pas vu tellement ça m'a... Ah ouais, nice. Là on a pris de la thune, ça c'est cool. On va pouvoir se racheter un MP5 après. Ok, je reprends la voiture rapide. Et ça va être bon. Allez, let's go. Un zamandi. Allez hop, ni vu ni connu. Et c'est parti pour le joueur français qui prend l'avantage. Oula. Attention à pas déconner. On est sur des routes dangereuses. On le sait. Une voiture qui tank pas mal. Merci Birdie pour ton petit prime. Merci beaucoup. Tu as bien mérité ton petit kikiki. Ouh, un deuxième kikiki. En plein dans un virage, je voulais que je meure ou quoi? Ok, nice. Là, on est bon. Merci Melorix. Merci pour ton sub. Petit sub niveau 1, ça se fait plaisir. Ok, c'est maintenant, les gars. Voilà, en fait, il fallait que je passe par là. Voilà. Alors. Alors, on n'est pas sur un perfect. Merde. Et dire qu'il suffisait de faire ça. Voilà. Allez, 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 on est bon. Là, on les a bien devancés. Je sais même pas où ils sont, les mecs, mais je crois qu'ils sont loin, là. On les voit même pas, regarder. Ah, c'est la Syrie, ça. Ah, ils arrivent, ils sont tous là-bas, regardez. Oh, oh. Hop. Oh, ce qu'on leur a mis. Du délire. Oh, alors faire gaffe. Il y a des pièges. Là, j'allais foncer dans l'eau. Comme un petit zinc. Laissez passer, laissez passer. Ça passe, ça passe. On est bien parti pour le perfect. On va battre le temps autour. Allez, allez, on y croit. Putain, elles sont longues, hein. C'est pas des petites courses, ça. Let's go, 5000 dollars. Easy. Ah, ça y est, c'est réglé. Les deux missions de l'enfer, c'est de l'histoire ancienne. C'est fini. On va peut-être voir Claude. You drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you've learned pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason, the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Merci le chat. I gotta go. Merci. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, ah, on va pouvoir aller à San Fierro. Ça y est. You can do a little business together. On débloque ça. Yeah, I might just do that. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Nice. Ah, mais j'ai encore une mission ici. Attends, j'ai pris sa carte, mais... Ah, j'ai pris sa carte, mais il n'y a pas encore de mission. Mm-hmm. Bon, là, on a bien... Regardez, on a toute la première île, tout. On a bien tout fait. Ça, c'est nice. Vraiment, cette ville, j'en ai très peu de souvenirs, en plus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, mais là, il y avait une caisse, les mecs. C'était sûr, regardez.
Waouh, le bolide. Alors c'est pratique dans son adresse, toutes les voitures sont ouvertes. La ZR350, pa, le bousin. Oh, le bruit. Y'a pas d'effort. Ah, c'est Claude. Mais là, on le voit de fou. Ah, mais tu vois, c'est juste des petits clins d'œil. Et là, on va passer, non? Ah, non. Oh, mais attendez. Pig. What? What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? Do you prefer attendez. The curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? Merci, no steak. When I say just business, I mean that merci I pour love ton you. What the fuck? When I say I'm no interested no more, I mean that I love wait. You. And hey, when I say that wait, I miss Catalina, you. Wait, leave my car alone. I did this for us, for me and you. It's too late. I don't love you no more. I love another, okay? C'est Claude. What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. Tu sais pas dans quelle merde that tu t'es fourré, Claude. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl, this is my new man. Il a eu un de ses downgrades quand même là, Claude. Il a aucun style. No, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race. Les cheveux partout. Crazy bitch. En fait, ce que je viens de capter, ah, je refais une course. Mais en fait, Catalina, je crois que c'est la meuf justement au début de GTA 3, la meuf qui flingue Claude justement, et c'est comme ça que le jeu commence, non? Ils font un braquage à deux et elle le trahit et c'est comme ça que GTA 3 commence. Il me semble que c'est elle, non? Oh yes, j'ai eu chaud sa mère. Let's go. Raccourci à la Cyril. Ni vu ni connu. Ouais, oh, y'a moyen. Hein. Et par contre, ils ont abusé. Hein. Là, Claude, il a vraiment une sale gueule. Hein. Oh. Le cara design, il est horrible. Ils auraient juste pu prendre le modèle de GTA 3, quoi. Il est stylé. Là, ils l'ont refait, mais en mode PNJ random, tu vois. Merci, Noistek. Merci encore. Il s'arrête plus. 11e abonnement offert. Oh là, c'est quoi ces chemins de l'extrême? Elle patine. Let's gong. Où est-ce qu'il m'amène? Oula. Je crois que je les ai mis à l'amende là, non? Ah, c'est mort, hein, je refais pas votre jump à deux balles là. Allez hop, allez vous faire foutre. Mais là on le fait à l'envers. Où est la concurrence? On est pas mal, hein. Faut pas que je fasse le con. Faut pas. Ah ouais, mais c'est littéralement la course, mais à l'envers, quoi. Bah, ils sont pas fait chier. Allez, dernière ligne droite. On est large. On est large. Oh, putain, j'ai eu peur. Ouh. Be careful, my bro. À fond les ballons. Let's go. Je pense que là, effectivement, elle est en train de l'insulter dans la voiture. Et Méloris qui offre un sub à Concombre au Gravier. You had the unfair advantage. Being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever,
But it is you who is missing the point. Not only was he racing, but he was satisfying me. Regarde la gueule de Claude, quoi. Putain. The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, merci le chat. What is this shit? Merci pour les G. He did to a garage in San Fierro. My lover needs his... Ouais, j'ai vu les tombes, mais je sais pas comment creuser. Et justement, elle dit qu'elle part à Liberty City, ouais. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Allez, salut, ça dégage. Donc ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, messieurs dames. Et ben là, on n'a plus de mission, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Salut Maxime, si tu viens d'arriver. Bah du coup, ouais, faut aller à San Fierro. Est-ce qu'on va à San Fierro? Parce qu'on a notre petit contact là-bas maintenant. En vrai, on peut aller voir, hein. Est-ce que ça vous tente? Parce que moi, je me rappelle même plus trop de cette map. En vrai, ça me ferait plaisir. Allons voir. Et le petit Claude qui part à Liberty City et qui donnera lieu, du coup, à GTA 3. Bah ça, c'est cool, tu vois, par exemple. Oh non. Ça, c'est moins cool. Non, mon bolide. Eh, merde, fais chier. Ah. Ah bah voilà, on va m'appeler pour une mission. À mon avis, c'est Wonsu. Hey, Carl, dude. Ah non. Now I got the little mau-mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. I don't know you. Prank caller, prank caller. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, donc non, on a encore des missions ici, les gars. On va pas s'exciter. Chaque chose en son temps. Ah merde, il y a les flics. J'allais le buter, mais il y a les flics. J'ai besoin d'une voiture. Je veux une voiture. Ouais, non, c'est pas encore débloqué, ouais. Non, je pensais en fait, mais pas du tout. En fait, plus qu'une voiture, je voudrais une moto. Et bah voilà, bah c'est super ça. C'est livré pile devant moi, regardez. Nickel, merci. Allez, c'est parti. On va aller voir l'agent Tempenny. Merci Milorix pour les petits bits. Merci beaucoup. Oh waouh, la toupie. La toupie Beyblade. On a actuellement 26 000 dollars. C'est pas mal ça. Hop là. Ça passe. Tranquille. Oh, une roue contrôlée. Griffith Sama qui fait péter son petit sub. Merci. Oh what? C'est passé quoi? Il y avait un caillou? Je suis passé sur un caillou quoi? It's a no. It's a no. Meow meow. Attends, c'est loin en fait. Ah mais, ah bah si. Ah bah non. Mais non, mais je suis complètement con. Ah oui, voilà. Je croyais que j'allais à San Fierro, mais non. On retourne au petit village. Eh oui. Ça ne va pas aller aussi vite. Moi j'ai envie de gagner du gros cash là, des grosses missions à 100 000. Allez, ça part sur un petit wheeling. Il y a toujours des morceaux de pare-chocs sur la route, je sais pas si vous avez remarqué. Bon, allez, fuck. Ça passe. Ça passe. Et le motocross, c'est fait pour.
Voilà. Waouh, je m'envole. Wouhou! Habilité en moto et ça augmente. Bien sûr que ça augmente. Quand t'es dans les décors, quand je trouve quand t'es dans les décors comme ça, là, l'herbe et tout, tu vois, quand tu regardes comme ça en vrai, je trouve que là, là ça rend super bien, tu vois. Ça aurait été cool que le jeu il soit tout le temps de ce niveau-là un peu. Genre là, ça fait vraiment au goût du jour, je trouve, tu vois. Enfin, quand tu regardes comme ça. Là, quand tu commences à regarder ça, là tu fais là, et là tu fais, ah non, ah non, bah non, bah non, cousin. Par contre, là, tu fais, ah ouais, ah oui, oui, oui. Viens ensuite, bam, 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 le reste. En fait, il y a vraiment des coins, je trouve, et des... Ouais, c'est un mélange bizarre entre remaster stylé et vraiment remaster bizarre, quoi. Un peu le cul entre deux chaises. Ça marche pas ? Mets à pied ? Voilà. Bah ouais, l'herbe est archi clean par rapport au reste. En fait, il y a des textures qui sont complètement retravaillées. Les jeux de lumière ont été retravaillés et tout, mais pas le reste. Donc bon, un peu bizarre. On va voir l'arrêt de son cul ou quoi ? It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Back to the egg. Ooh. Damn, man, there must be two tons of that stuff back there. Three Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh man, narcs, you fucking rat. Ça va swingy. Don't put that on me. You don't want to deal with Tenpenny. What's all this? Ah, le lance-flamme, la mission du lance-flamme. Yes, let's go. We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. On va tout cramer. Ah ouais, on va cramer toute l'herbe. Non. La Marie-Jeanne! Eh, mais en fait, Far Cry, ils avaient copié sur San Andreas, je savais pas, ben. On brûle tout! Nique les flics! Oh, quel gâchis! Regardez-moi ce gâchis, les potes! Attendez, si je me mets là, au milieu. Là, on devrait faire des dégâts. Hein. Bah alors? C'est où c'est bugué? Allez, on brûle tout! Ah, je vais me brûler! Allez, allez, on n'a pas le temps, faut pas traîner. En fait, ah si, je brûle! Ah, je brûle! Je brûle avec la weed! Ça galère, hein? Putain. Ouais, ça se répand un peu quand même. Voilà, ça c'est bon. Voilà. Allez, allez, allez. On est pas mal, on est pas mal. Il m'en reste plus des masses non plus, hein. Ah mais en fait c'est plus important, ouais, c'est le viseur parce que moi je fais en fonction des flammes, mais c'est vraiment le viseur. Dès que tu vises vraiment bien les têtes, ça brûle. C'est logique, non. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get it fired up. I'll finish burning and I'll follow you. Wow, l'animation là. Oh, le son design. Chuch. Allez, on y va, on y va, on y va. On brûle tout, on brûle tout. On va être complètement rabat. Voilà, là les petites têtes. Regarde ça, c'est des toutes petites têtes, les nouveau-nés. Bah alors. Tiens, ils étaient robustes ceux-là.
Ah, j'ai plus de... Oh non, juste à la fin, quoi. Quel seum. J'ai pas fait gaffe. Allez, 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 allez. Putain. Je vais en chercher. Bon, ça va, on a le temps. En 2040, c'est bon. Ils font quoi, eux, tout à l'heure, les attendent là? Ils sont cons. Allez. Un zabandi. Tout ça pour juste le dernier, quoi. Attends, pourquoi le point rouge, il me dit qu'il en reste là? What? C'est bugué un peu, hein. J'espère que ça a marché. Brûlé, Satanas! Ouais, c'est bon. Oh putain, la bagnole! Merde! Mais à quel moment elle prend feu? Putain, je l'ai mise dans l'herbe. On se barre, ça va péter. Tant pis. Ah, on va avoir le lance-roquette, ça y est. On débloque le lance-roquette. Allez, let's go. Bouge pas, mon garçon. Ah bah nickel. Putain, quel enfer. Quoi? Mais c'est pire que sur Battlefield, là. Attends, mais je suis censé faire quoi? Ils sont sérieux? Faut que j'anticipe. Ok, si je vise là, bien à gauche. Tu vas crever, salope. Oui, mais putain, il esquive tout ce bâtard. C'est bon, je l'ai. Ouf. Let's go. Ouais, pourquoi il y a tout qui pète là? Oh putain, lame de ouf. Mais attends, mais il est flingué ce lance-roquette. Monte dans le vaisseau mère. Ah ouais, mais lui c'est vraiment, c'est Sylvain Durif, hein. Voici le vaisseau mère. C'est moi qui conduis, bah bien sûr. Tant qu'à faire, j'ai niqué toutes mes roquettes là pour cet hélico. Ah, il roule bien en fait son truc, hein. Putain. Pas mal. Shit, I better call Caesar. Hey Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Figueroa, okay? I'll meet you in Kendall. Here we go. I wanted the races. I'll let y'all later. Est-ce que ça va nous débloquer San Fierro bientôt? Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15-year-old cooking oil. Oula. Shit, can you shoot? Ça passe, ça passe. Shoot. I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about this dude snorted it once. Thought his nose was a kangaroo with the moon. Merci, Just Birdie. Merci pour le sub offert. Putain, c'est long à monter conduite. Regardez, j'ai pris que ça, quoi. Induction of images, sound or emotion using microwave radiation. You know how many government satellites are watching any citizen at any moment? On est où là? Ah bah regardez, on arrive à San Fierro. 23. J'en parlais. Just relics are kept at the Pentagon. Wow. No, I don't. 23. Ça, je me rappelle plus où. En plus, trop bien, j'ai pris la route où on arrive sur la colline pour voir de haut. Patterns all over the place. Get that smoke out my face. Wouhou, la descente. Je crois qu'elle est cool cette île, non? Ah, il y a des nouveaux magasins de prendre. Wow. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place. C'est stylé. Okay, Mr. San Fierro, where's San Francisco? It's in Doherty, on the east side of Fierro. Oh merde, oh, on peut casser les arbres. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pour acheter une maison? Vous pouvez acheter une voiture? C'est quoi les maisons bleues? Normalement c'est vert. Put that thing out, man. I can't see. Out, brother. It's good shit. Put it out, motherfucker. I'm warning you. Whoa. Chill the fuck out. Firstly, you are a real. All right.
This is the place. Wow, Jesus, dude. Looks like you've been fed. Ah, je me rappelle. Je me rappelle de cette. De cette. De ce cache là. Je m'en rappelle très bien. Ok, on va faire un petit tour. Est-ce qu'on découvrirait pas San Fierro tranquillou? Je voudrais peut-être une petite bagnole. Oh merde, y a un flic, putain, fais chier. Merde, 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 merde. Ah, bienvenue à San Fierro. C'est quoi ça, cette maison rouge? C'est pas genre les prix? Là, elle est rouge, regardez. Non, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Tu peux pas encore acheter cette propriété. Ok. Bah, je vais me faire foutre. Alright. Et là-bas, on a un magasin de fringues. Allez, on va aller voir. Peut-être différent. Oula. Dégagez. C'est qui, ça? Ah, c'est stylé. Là, c'est le vieux San Francisco. Wow. Oh, wow. Ah. Débat. On dirait le mec qui était avec nous. Ok. Oh, on peut prendre des donuts, genre, ou des hot dogs? Ah ouais? Oh, let's go. C'est quoi? Des nouilles. Mais c'est gratuit. Mais j'ai pas payé. Bah, trop bien. C'est génial, San Francisco. Je suis content. Va au gymnase pour apprendre un nouveau combo. Ah bah non, on a déjà été en magasin comme ça, on connaît. Bah, à mon avis, ça va être les mêmes fringues parce que c'est là où on s'est sapé comme ça. On va le voir au torse. Ouais. Ah, je crois que c'était... Oh, non. Ça, je me rappelle pas. Sweet Rockstar. Oh, le BG. Ah, la chaîne, elle est buggée, ça va pas. Next. Next. Je veux autre chose. Proposez-moi de la qualité. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça change un peu. Là, on n'est plus trop dans Groove Street, de toute façon. Ça, j'aime bien, on peut se le garder. Qu'est-ce qu'on a? Couvent, c'est ce qu'on avait. Suite. Base 5. C'est pas mal aussi, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce qu'on prend le petit la petite veste? Est-ce qu'on prend le gilet plus t-shirt ou on garde le coupe-vent vert? Après, il y a des t-shirts bobos. Ça... NFT. Oula. Non, pas terrible. Gilet, gilet, gilet. Deuxième gilet, veste. Ok, bon allez, let's go. On va changer un peu de vêtements. On va prendre le gilet et t-shirt. C'est parti. Ah, il y a eu des coupes vent vert là. Non, ça va aller, le code. Ça va aller, merci. Try on anything you want, sir. Voilà. Mate-moi le BG. Est-ce qu'on n'irait pas voir les pantalons? Enfin, les pantalons sont assez flingués. Ils sont vraiment mal faits et tout. Donc, on va garder le nôtre, je pense. Ouais. Non, 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 on va garder le short. T'as des beaux mollets, CG. Il faut les mettre en évidence. Peut-être les lunettes, ça pourrait être sympa d'avoir des belles lunettes. Ouais, c'est toujours les mêmes. Elles sont horribles. La gueule. Ouais, ça dégage. Je crois que le reste, c'est un peu les mêmes. Hein. On peut regarder, couvre-chef. Casquette rouge à l'envers. Ah, ça peut être pas mal, une petite casquette. Mais ça rend pas très bien avec son front. Ça fait un peu un gros crâne.
On va tester comme ça. Ah! Oula, non, c'est un peu bugué. Oula! Les tresses, elles passent à travers, monsieur. On va pas prendre. Hein. Non, on va laisser tes belles tresses apparentes. Faut que les gens les voient. Et le bonnet, pourquoi il est... Ah, un petit bonnet. Ouais, non, mais le bonnet, il est horrible, je crois. Ah, il y a un truc, en vrai. Ouais, non, c'est mieux les tresses, allez. Ça fait un peu une, ça fait un peu une capote, quoi. Il a un peu une capote sur le crâne. Ok. Après, c'est vrai que, les gars, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se la joue vraiment 50 Cent et qu'on se met torse nu tatouage? C'est vrai qu'on n'a pas fait de tatouage. Je crois qu'il y en a un juste à côté. Bah, let's go. Allons voir ça. Take a pew, amigo. Yes, my man. Oh là 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 là. Design, buddy. Alors, on va en faire partout. Hein. Allez. Dude, this looks fresh. Je vais dépenser tous mes sous. Okay, you're marked for life. Allez, on met tout. Rien à foutre. Aztec. Aztec direct. Une croix. Le dos. San Andreas. Alright. Poitrine gauche. Merde, je sais pas ce que j'ai pris. C'était quoi? C'est un flingue. Bon, vas-y, on le laisse, c'est pas grave. On est à bof. C'est 50 Cent. Alors, par contre, je crois qu'il a... Je sais pas si vous voyez Daisy, mais... Ah non, je crois qu'il est tatoué sur la chaîne, quoi. Ventre. Prison. Don du ciel. Voilà. Et pas du dos. J'en veux partout. You got gangster skin now. On est pas mal là. Got plenty more designs. Let's go. Alors par contre, comment je fais pour enlever mon haut? Je peux le faire au magasin? Ah ouais, elle est stylée sa petite veste, c'est dommage. Mais on va être gang. On va être ghetto. Faut que j'aille soulever de la fonte après. Ah, je peux pas enlever en fait. Y a pas de moyen. Faudrait que j'aille chez moi. Mais c'est loin là. J'ai pas de maison ici, je crois. Ou alors il faut, il faudrait que j'achète une maison. Après, elles doivent être chères ici. Hein. Attends. Là, c'est... Ouais. C'est quoi, ça? On est juste à côté. On va voir. On va voir le prix. Ça dépend combien ça coûte. Mais les gars, vraiment, on n'a pas de thunes. 20 000, c'est rien. C'est abusé. Oh, la vieille baraque. Oh, 40 000. Bah, c'est mort. Hein. C'est mort de chez mort. Tout simplement. Finito. Elle a l'air vraiment pas mal, cette ville. Celle-là, je la connais pas. Vraiment, ça me dit rien. Allez, dégage. Oh, des nouvelles... Des nouvelles prostituées. Ah, elles n'ont pas aimé mon klaxon. À chaque ville, c'est des prostituées différentes, c'est fou. On n'arrête pas l'innovation. Ah ouais, par contre, les routes, elles sont très carrées. Hein. Ça, c'est bien San Francisco. Je fais un petit tour, hein, je regarde. Oh, il y a le pont. Ah bah ouais, forcément. Mais alors, du coup, il est ouvert ou il est fermé? L'observatoire. Ok, une petite digue. Oh, la Silicon Valley.
On va aller voir un petit peu par là. Ouais, les fameuses maisons. Et je crois que normalement, si je prends à droite, c'est un des quartiers où il y a... Oh merde, où il y a les maisons de couleur et tout. C'est un beau petit quartier. C'est pas là ? Regardez là, il y a les maisons. Putain, elle est stylée cette ville. 20 000 ! Non mais c'est trop cher, je vais dépenser tout mon argent, j'ai pas les moyens. Faut que j'achète des guns et tout. J'ai besoin de thunes. Va falloir faire des braquages. C'est quoi ça? C'est lui qui parlait comme ça? Ça va pas là? Ouah, c'est le mon chilette là-bas. Merci, Wrenchy. Oh, le pseudo, ouais. Merci pour ton prime. Ah, Yashibanko. Ok. Ah, c'est là les maisons de couleur, non? On va aller voir le pont. Ah ouais, c'est fermé, forcément. Merci d'être câble, merci pour le petit sub. Ça fait quoi si j'y vais? Warning, danger. No access across bridge. Hihihihi. Oh wow. Je suis tout seul sur le pont de San Francisco. Vous vous rappelez du vlog où je suis passé en dessous en hélicoptère? C'est incroyable ça quand même. Ah, là ça va être dur de passer. Hein. Ah, il y a même un mur invisible, j'ai l'impression. Ah oui, il y a un mur invisible. On peut pas. Eh, je suis passé là en hélico, genre. On pourra le faire. La magie des murs invisibles. Dès qu'on aura des hélicos, on pourra le faire. Oh waouh! Comment il s'est envolé! Ah, elle est stylée cette map. J'aime bien. Peut-être que ce sera pour GTA 6, hein. Peut-être que ce sera à San Francisco. En vrai, c'est possible. Ce serait une bonne ville, hein, pour... Je me demande ce qu'ils vont choisir. J'ai tellement hâte, les gars, putain. Tellement hâte de voir les premières images. Ça va être si long. Oh, les routes, ils ont abusé. C'est carré. C'est rectangulaire. Tu peux faire des calculs au théorème de Pythagore. Oh waouh! Ah, je l'ai raté! Wouh! Oh merde, le flic! Oh le kef! J'étais. Oh, il sort son arme déjà! Ils sont chauds à San Francisco! Waouh! Ah ouais, les rues, c'est un truc de ouf! Que des descentes de l'extrême! Ah, le pire! Ouais, Las Vegas aussi, mais Las Vegas. Je sais pas, c'est moins intéressant, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de. Il y a que du désert autour, donc. Y'a pas la mer, pas de montagne, pas de forêt. Tu vois, San Francisco, y'a la mer, y'a la plage, y'a la forêt, y'a les montagnes, y'a le centre-ville, c'est fourni, c'est grand, c'est immense. Ça marche. Ou alors Las Vegas, il faudrait que ce soit une ville parmi d'autres. Tu vois, un peu comme San Andreas. En vrai, y'a moyen. Y'a moyen que ce soit ça, mais. Attends, je vais voir c'est quoi la. Oups, sorry! Je me demande c'est quoi la clé rouge là. Je veux mes chaussures. C'est où déjà? Ah, c'est à droite. Là-bas. Putain, il y a des maisons à acheter partout, hein, c'est un truc de ouf. Ouais, ce sera pas avant 2023, Titou, ça c'est sûr. Ok, donc on aura une mission juste là. Et là, c'est quoi? C'est le pain spray? Non. Body swap. Fitting B. What? C'est quoi? C'est nouveau, ça. Oula! Ah, c'est du tuning! Ah ouais, c'est vrai! Merde, le copyright. Je me suis barré. Ah ouais, c'est pour tuner la caisse, ok. Alright.
m'en rappelais plus. Le custom, le Pimp My Ride de San Francisco. C'est toi aussi, tu veux tuner ta caisse. Motherfucker! That mute asshole, that fucking snake without a tongue, gave me this shithole instead of a pink slip. I must be the biggest fucking idiot in the whole fucking world. Holmes, take it easy. At least we're alive. Carl, friend, fellow traveler, relax, man. It's the fair game. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of us. I mean, look, we in a strange place. We got shit to our name. And for once, I try to make something work, this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. C'est moi le... Why don't you shut up? Le tatouage, il est en relief. Regardez le tatouage, il est en relief. Il est au-dessus de la peau. Regardez. Oh non. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here, it's fantastic. Oh, oh la clique. T'es mal à la gueule de la team. Yeah, all right. But how am I find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Man, I'm about to ride with this fool again. Come on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines till the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit, but the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last I heard, he was working at a garage over in East Basin. Let's go. On va faire de cet endroit. Hey man, how you meet these dudes the anyway? Place to be at San Francisco. On a bien avancé là quand même, hein. C'est cool. On est arrivé à San Fierro. On va faire l'émission ici. Il faudra qu'on retourne à Grove Street, hein. Récupérer les quartiers et tout, ça a été un peu vite. La baguette du 9-3, merci pour ton sub. Voilà. Il est là le mécano. Hey, Jethro. Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, Truth Dude. Oh, man. Do I owe you? Cause I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Can we swing by the hospital? It's over in Santa Flora District. West of here. Yeah. You sick? No. The government is. But that's a long story. So, you know, allez. What's the deal, dudes? On est avec un complotiste. You know, c'était sûr. C'est un drogué. Damn. Polar bear shit in the woods. No, but they've been known to shit in the liquor tent. If I remember it right. Yeah, that was like so far gone. À mon avis, là, ça va être un petit peu calme. Je pense. Vu qu'on a eu pas mal de missions où c'était un peu le bordel, là. Oula. Là, on va rencontrer les nouveaux personnages, retaper le garage, on est un peu en exil. Va falloir se refaire une petite place. Bon, vous en pensez quoi, du coup, pour le moment de ce petit remaster? Ça vous plaît ou pas? Casse-toi! Ah ouais, un remaster de The Getaway, ça peut être pas mal. C'est validé, sympatoche, ça va, mais pas foufou. Il est trop bien. You tripping again. Okay. Ouais, je pensais qu'il mérite d'être un peu plus creusé, mais
C'est sympa. Un peu déçu, mais la nostalgie est folle. Je pense que ça résume bien. Et ils le savent. Je pense que Rockstar le sait, donc. Oula. Ça fait le café. Eh oh. Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? It's totally shit. Why? What's happening? My friend Carl here is opening a chop shop. Jethro's in. How about you? Yeah, cool, man. Ah ouais, genre je les recrute et tout, ça va être ma team. So, you tell me where you guys are gonna be at, and I'll meet your dudes there. The garage is on the waste grounds in Doherty. I'll see y'all later. Okay, next up. Ah, j'avoue qu'à 30 balles, ça aurait été sympa. What? À 30 balles, ça aurait été cool. Why? If I told you, the likelihood is you'd get a probe up your ass within a month. Like, listen to the man, dude. He's real serious about that shit. Well, okay, but you're starting to freak me out with all that space shit, man. Perso, en tant que personne ne l'ayant pas joué, je suis heureux de fou. Ah tiens, j'aimerais... Est-ce qu'on peut faire un petit sondage? Petit sondage, Moon. On va faire un sondage, répondez sincèrement. J'aimerais savoir, parmi tous les gens qui sont là actuellement, il y a plus de 2600 personnes, qui a déjà, genre, bien poncé GTA San Andreas à l'époque et qui n'y a jamais joué. Petit sondage. Je serais curieux de savoir. Genre là, qui voit ça pour la première fois et qui connaît déjà un peu par cœur, quoi. Mais on se dit vraiment, genre si vous l'avez joué genre 10 minutes ou chez un pote vite fait à la race, ça compte pas, tu vois. Vraiment en mode, vous l'avez pensé avant à l'époque sur PS2, quoi. Petit sondage. Je sais pas si Moon est là. Ok, we're good to go. Where to next, Spacehead? Attendez, vous inquiétez pas, on va faire un petit sondage, vous aurez juste à choisir. Nickel, on a le sondage. He could fix a supercomputer with a paperclip. He's got his own shop, but he's always merci. Ready to help fellow travelers. Pika pika pour ton sub niveau 1. Vous avez le sondage juste au-dessus, les gars, dans le chat. Allez-y. Look, what's going on, Truth? Who was him dude? Don't go there. Listen to Jeff. Alors, on est quoi? On est sur du 56% de gens qui l'ont poncé à fond. Et du coup, quand même, 44% des gens qui découvrent. C'est ouf. C'est énorme, 44% des gens qui découvrent. Là. Ouais, ça bouge un petit peu, on est passé à 58-42, mais bon, l'idée est toujours là, quoi. Merci Hugo, merci pour le Prime. Merci beaucoup pour ce petit kikiki. Alright. Allez, on y va. Le beau ciel orange fluo. Et Thor, le gamer, qui fait péter aussi son prime. Merci beaucoup. Oula. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Oh, il a un petit... Ah, c'est l'émission. L'émission hélicoptère, comme dans Vice City, l'enfer. Leave me alone, Berkeley. This is stalking. Oh, hey, Truth. Get in. I'll fill you in as we drive. Bah, il va pas laisser son drone, quand même. Carl, zero. Zero, Carl. Sup? On est sur 58% qui l'ont poncé et 42% qui découvrent, du coup on est sur ça pour le moment, ça finit. C'est quand même pas mal, hein. Franchement j'aurais cru que moins de gens le découvrent, j'aurais dit 30% des gens n'ont jamais vu San Andreas, tu vois. Finalement on est quand même plus à 40-42. C'est cool. Ça doit être trop bien aussi de découvrir tout ça pour la première fois, en vrai. T'as de la chance. Vous avez de la chance. Let's go! Merci Max Max! Hey, Caesar, merci pour ton sub! What's up, B? Caesar, this Jethro, Dwayne, and Zero. Hey man, dude. Salutations, my sibling. Orale, let's get to work. Hey! Hey Carl, look! I think I found a way for us to get paid. Je l'ai pensé sur PSP. No, idiot! Il a pas sur PSP. No, property development. Look,
You buy a dump like this, fix it up, and sell it. Or better yet, you turn the property into a business. The snowball gets bigger. I don't know, sis. This all sound big time to me. Look, Carl, this place is gonna get on its feet, and when it does, we are gonna have money. If you wanna make something of yourself, you gotta let your money work for you. Look. I wouldn't even know where to start. Look, you two concentrate on the garage and let me work the property thing, okay? Yeah, that's my baby girl right there, Holmes. Man, allez, on va lancer un petit business. Fin du sondage. Mission réussie. Let's go. On est donc sur un 58%. Et on a un nouveau train de la hype, tranquillou. Okay. Yeah, what? Sorry, Carl, are you busy? Zero? Nah, man, good to hear from you. What's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. All right. Ah, ça y est, on a plein de missions. On a le Z. On va bosser un peu pour nous. On va bosser pour le garage. Allez. Train de l'hype en approche, messieurs dames. XBZ Bo qui offre un abonnement à Flavino. Merci beaucoup. Et merci d'être câble pour les beats. Merci beaucoup. You got the present for that friend of mine, right? You know the one trying to get me and old officer Pulaski into trouble? Yeah. Un retour du flic. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cove Hotel in the Financial. Oh, for sure. All right. Le procureur est en route pour le Van Cove Hotel au centre-ville de San Fierro. Vas-y, tout de suite. All right. Faut une caisse, y a pas de caisse ici. Merci Noistech. Merci beaucoup pour les deux subs offerts. 14 abonnements offerts sur la chaîne, merci. Hey, une nouvelle mademoiselle. Ouh. Et Isa qui repop de nulle part avec ses petits beats. Merci. Oui, le téléphone c'est clairement un petit parpaing, hein. Pas se mentir. Vraiment, ils ont abusé Rockstar sur le nombre de prostituées qu'il y a dans les rues dans San Andreas. Il n'y a que ça pratiquement. C'est un truc de ouf. Oula. Regarde, une, on va l'écouter. Une. Ah bah forcément, on va aller là où il n'y en a pas. Mais là, il y en avait au moins 10 dans la rue. Et Noistech qui ouvre un petit sub. Oh, c'est quoi ça, Zip Clothing? Ah, un nouveau magasin de fringues. On pourra aller voir plus tard. Ça, ça sera des nouveaux vêtements aussi. Hop là. Suis le voiturier dans le parking souterrain et bute-le. Putain, c'est un peu direct quand même. On pourrait ne pas le tuer. C'est donc ça l'hôtel Van Kampf, je vois quoi. Allez, on est en filature. On va le suivre tranquillement, les gars. Tranquille, tranquille. Ah, là, c'est quoi? Ah ouais, c'est les pizzerias. Petit bout de pizza, là. Petite pizza. Le voiturier est dans le parking. Bute-le. Pendant qu'il y est. All right. Oh, je l'ai tapé. Tiens, prends ça, salopio. On met le petit uniforme, ni vu ni connu. Oh là là, ce flow avec la chaîne. Oh, le pauvre, il est en slibard. Putain, on a été sans pitié. Ok. Je vais ramener ça en haut. Regardez, encore une là. Qu'est-ce que je dois faire? Ah non!
Ah merde, non, je suis con, je devais pas prendre la voiture en fait. Ah non, c'était juste pour prendre les vêtements. Bon, c'est pas grave. Ni vu ni connu, allez hop. You must be the new boy. Get in line. All right. Le procureur conduit une Merit bleue. Te fais pas chourer la caisse par un autre voiturier. Ok, c'est celle-là du coup ? Elle est pas bleue ? Ok, si, elle est un peu bleue, ouais, ok. Ok. Identifie la voiture du procureur et prends le volant. Ok. T'inquiète pas. Merci Eternity. Merci, merci beaucoup. Bah j'espère aussi. C'est pas celle-là. C'est une voiture bleue, mais vous allez pas m'avoir, Rockstar. C'est pas celle-là. C'est pas le procureur. Wow, are those alive? They ain't inside, I know. Suivant. Next. Bah alors. Ah le v'là, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Oh là. Oh non. C'est la voiture que j'avais garée, il y a quelqu'un qui l'a volée. Hé, hey, voleur. Ok, c'est celle-là. Alright. Je m'en occupe, vous en faites pas. Votre voiture est entre de bonnes mains. Beau travail, tous ceux qui ont soutenu la hype. On va recevoir des émoticônes. Merci beaucoup, les potes. Allez, c'est parti, on va remplir ça de bœufs. Hop là. Ah, mais elle est incroyable, j'adore les rues de cette ville. Je peux faire des jumps de malade. Raccourci à la Cyril. Pourquoi il y a une lumière? Oh merde, pardon, j'avais pas vu. Voilà, ni vu ni connu. Regardez, ah c'est vraiment là où j'habite en fait, il y a que des prostituées. Waouh, c'est le paradis pour CG. Abîme pas la voiture, sinon le procureur risque de se douter de quelque chose. Ah bah. Ok. On va essayer, hein. C'est pas. C'est pas dans mes habitudes, hein, mais bon. On va faire un effort. Et là, à droite, et on y sera. Ah ouais, c'est stylé, non ? Elle a une belle gueule. Oula. Mais qu'est-ce qu'il fout par terre, lui? Wow! Faites place! Un voiturier arrive pour ramener la caisse du procureur. Non, 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 ok. Ok! On va être bon. Je vais faire quoi? Je dois juste me mettre là? Yep! Ok. Le matos a été livré. This wee tip, I seen something highly suspicious you should come check out. Comment il prend la pause? Aïe aïe aïe. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Oh, wow. Le clacus. Il l'a pris dans la gueule. Et il laisse la voiture là comme ça. Ah, bravo. C'est quoi ça? Marche sur le repère du poste de voiturier pour activer les missions de voiturier. Ouais, non merci. Certainement pas. L'uniforme de voiturier a été livré dans ta penderie. Alright. Sans façon. Oula. Ah merde, je voulais prendre sa caisse. Attends, je vais prendre sa caisse. Eh, excusez-moi, je suis voiturier. Va te faire, toi. Hop là. Alright. Ouh, ça balance du kikiki.
Nopsite qui offre... Mais toi, il y a beaucoup d'abonnements offerts ce soir. Vous êtes généreux. Merci pour ce petit sub offert. Hop là. Direction le garage. On va se faire la petite muscu. On va se faire la petite muscu du soir. J'aime beaucoup cette map, hein. Je sais pas vous, mais... Bon, ça vaut pas Grove Street. Mais ça change bien, c'est cool. Allez, on va voir la salle de gym, comment elle est. Je me demande si c'est la même. Hop là. Oh, stylé! Nous allons apprendre le karaté. Alors, attendez d'abord. On va soulever... Oh, des haltères, ça change. Oh, 160! Let's go. Attends, t'as vu la taille des muscles? T'es mal à la taille des muscles. Bien sûr qu'on prend 160. Allez. Us. Voilà. C'est bien, CG. Continue. Masse musculaire améliorée. Pousse la fonte. Voilà. Tu l'as, mon garçon. Tu peux aller faire du monster truck dans le stadium. Ah bon, on peut? Ah, je veux bien aller voir. Allez, tu prends de la masse. Tu sais comment ça se passe ici. Tu connais les règles. C'est combien? C'est 25? 30? Oui, voilà. Il y va le garçon. Ah, j'avoue, le bras droit et le bras gauche sont déséquilibrés. Bah, il a un bras plus long que l'autre, c'est pour ça. Va au zip. Ah oui, c'est vrai. Le zip aussi pour les vêtements. Ah, ça, c'était une belle journée. Hein, une belle journée de muscu. Et on va faire un petit peu d'endurance. Parce que c'est vrai que l'endurance, on est un peu nul. Et Jound qui offre un abonnement. Merci beaucoup. Tu as fait accès. Ah, je peux pas faire les deux. Ok. Merde. Allez, battez-vous là. Montrez-moi un peu ce que ça vaut là. Restez pas statique comme ça. Attaque. Et là, ils font quoi? Oh, le feng shui. Ça, j'aimerais bien faire des trucs comme ça. Ça doit être trop stylé. Oui, puis on pourra apprendre aussi des nouveaux combos. Ça, bien évidemment. Mais oui, c'est clair. Alors, c'est où le stade? C'est là? Ah, mais je sais pas si... je pense pas avoir débloqué les courses. Je ne pense point. Et j'ai toujours pas de maison, j'ai rien. Ah, là, peut-être. Ah ouais, peut-être, là. Je vais voir. On va voir ça. Non, non, j'ai pas... Je voulais pas faire le combat, les gars. J'ai la flemme. En fait, en vrai, le combat, tu l'utilises jamais, donc... Comme on l'utilise jamais, un peu osef. Quand on aura le temps, on aura le temps. Voilà. Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ton niveau de conduite n'est pas suffisant. Bah voilà, comme ça c'est réglé. Allez, salut. C'est dead. Oh, regardez comme c'est beau la molle, bâtiment qui brille. En autoroute. Écartez-vous. Dégagez. Waouh. Voilà de la gueule, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé aussi. Oh. Ah non, je croyais que c'était un tremplin. Oh, à toute vitesse! Attention! Oh oui! Wouhou! Oh! C'est quoi cette route? C'est quoi cette merde? Désolé! C'est ma première fois ici à San Francisco de jour! Excusez-moi!
Je dois aller à Zip. Oh, c'est ouvert, ça. Regardez. Waouh. Au revoir. La police qui fait de la dingue. C'est quoi? Ouh. Une galerie d'art. Non? Zombotech. Sinister Zombie Virus Search Corporation. Oula, c'est Umbrella Corporation le truc. Et John qui fait péter les 5 subs, merci beaucoup. Waouh. C'est quoi ce truc? Oh. Un appareil photo. Bah, merci. Hey, y'a un truc. C'est quoi? Ah, je savais pas ça. Ah ouais, t'as des spots à photographier en fait. Je savais pas. On découvre tous les jours, hein. Calmez-vous. Pourquoi il panique? Oh! Vous avez jamais vu un mec baraqué comme ça? Y'a rien, y'a rien. Y'a R. Oh. Oh, il roule comme des... comme des zinzins ici. Oh là, la petite moto. Alors ça... Bam! Let's go! La PCJ600! Wouhou! Oh merde! Ouah. Ça n'aura pas duré longtemps le plaisir. Un plaisir intense mais court. Je sens qu'il y aura des mods comme sur GTA V. Bah en vrai ce serait fou. En vrai ce serait bien. Ce qui serait vraiment vraiment drôle, je pense, c'est un mode multi. Ça serait trop drôle. C'est vraiment fun. Oh shit! Ok, on va aller là. Oh wow. Je ne sais plus rouler. Hop là. Allez, une petite mission. On va en faire quelque chose de ce garage. Allez, le copyright. Hey, what up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like a hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little respect, huh? That's right. Yeah. Yeah. I've been thinking about getting me some new land anyway. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va faire... Attends, est-ce qu'on va faire régner le respect sur le chantier? Ah oui, mais c'est pas notre chantier. Fais flipper la société de construction. Ok. Bousille tous les abris préfabriqués et bute le contremaître. Putain, c'est vénère. Faut pas le faire chier. Sers-toi des engins de construction pour détruire les abris préfabriqués. Ok. On va tout casser, les gars. On va tout casser. Vous avez fait trop les ouf. J'avoue qu'on est le dernier truc qui, en fait, qui survit à travers ce chantier, quoi. Notre avenir est en danger. Allez, c'est parti. Ah. Bah, je crois qu'il va falloir que je prenne un peu plus de vitesse. Bah, les gars, par contre... Il se passe quoi, là? Ah, je peux monter ou pas? Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas rouler. Voilà. Ya! Wouhou! Ah, mais y'a rien dedans, genre ils... Let's go! Je vais tout casser! Wouah! Oh, j'ai failli tomber dans le. J'ai failli foncer. À mon avis, dans le baril, tu meurs. Hein. Ça explose instant. Oh my god. Waouh! Explosion! Attends, j'ai trop envie que lui. Lui, il peut foncer dans les barils, tu vois. Je vais tenter un move. On va tenter un move. Putain, par contre, c'est bugué là, casse-toi. Putain, tu fais... Tu vas tout gâcher. Voilà, si je me mets là comme ça... Ok, on va s'arranger. Presque. Et là, si je fais ça... Et là, je braque... Non. Ah non. Il est trop con. Allez, fonce dans les barils rouges. Ah. Let's go! Il est même pas mort, sans foirer. Putain. Ah, il y a un flingue d'ailleurs qui a pop. Waouh, perte de contrôle extrême. Attends, juste, il me saoule. Désolé, mais là... En fait, tu fais trop le fou. Et moi, je viens de Groove Street, en fait, mon gars.
Voilà. Il meurt comme une merde. Ici, c'est Groove Street. Ah bah, ça riposte. Mais attends, depuis quand sur le chantier, ils ont des armes? Des ouf. C'est à ça, je voulais jouer à ça. Faut jouer avec moi, mon garçon. Groove Street is king, yo. Et voilà, et le petit dernier pour la route, et le 180. Oh! Oh my god! Oh oui! La tronçonneuse! Oh, j'y vais direct! La tronçonneuse, sa mère! Give me that! Wow, voilà. Hop. Où est mon prochain cobaye? Oh, ils sont deux, c'est chaud. Oh, il meurt instant, hein. Oh là là, efficace! Ah merde, j'ai du temps! Non! Il reste 20 secondes! Merde! Go, j'avais pas vu! Bien vu le chat! J'avais pas vu, je faisais ma petite vie, ma petite tronçonneuse, tu vois, je suis là. Ok, j'ai 15 secondes, faut pas que je me fail. Oh! Ouh, 12 secondes! Ah, il y en a un qui est en train de faire caca. What's all that damn clatter? Holy crap, I didn't see nothing! Ah, je vais le mettre, je pense que je vais le prendre sur la poêle, non? Sur la pelle. Coule du béton par-dessus. Ah ouais, non, mais je suis clairement en train de gérer le chantier, là. Mais est-ce qu'on est obligé de tuer autant de gens et être aussi méchant? Attends, parce que... ils comprennent pas, en fait. Voilà. Mais depuis quand vous avez des armes sur le chantier? Voilà. Ah, il est pas mort, cet enfoiré. Bon, je vais m'occuper du contremaître. Ah, ah, je peux monter dans la grue, je crois, non? On va essayer ça après. Alors, tac. Oh, God, no! Merde. Ouais. Ah, mais je... il a dû se mettre plein de merde partout. Ah, je peux pas le soulever. Oh, non! Comment je sors de ce bourbier, moi? Ah, c'est bon. Mais ils sont chiants! Oh non, ça prend feu! Ouais, j'ai pas le choix. Hein. Merde, hein! Arrêtez de m'emmerder! Ah ouais, on peut utiliser la grue, incroyable. Ça sert à quoi? Bah en fait, je crois que je peux pas le soulever quand même. Hein. On va voir, mais je crois que là... tu vois, c'est trop petit. C'est droit en fait, il faudrait que ce soit vraiment creux pour que ça tienne. On va essayer, mais bon, j'y crois pas trop. Oh God, the dead. Attends, on va essayer. Tu vois, genre ça fait... Please, oh, il y a les pompiers. Si je me mets là, tu vois... ah, tu vois, ça fait rien du tout. Ouais, faut juste le pousser. Hein. Allez. Voilà. Et on va couler le béton. Tranquillou. Restez pas là, les pompiers, y'a rien à voir. C'est un chantier, tout ce qu'il y a de plus normal. Ok. Et là, on va couler le béton par l'arrière. Voilà. Quel enfer! La méchanceté de CG, là, quand même. Merci beaucoup, John. 10e abonnement offert sur la chaîne. Merci. Non, mais je vais l'utiliser après, la grue. Je vais juste finir la mission, comme ça, c'est fait. Voilà. Alors, ça va, là-dedans? C'est marrant qu'on l'entende, John. Alors, la grue. Ah merde, j'avais un numéro, j'avais un téléphone. Imagine, je peux casser les trucs, c'est ouf. Ah, mais j'aurais pu les tuer avec ça, ça aurait été trop drôle. Ça sert à quoi? Ça passe à travers, c'est nul. Ouais, c'est nul, ça passe à travers. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à quoi? Est-ce que si je le fais contre le véhicule,
Moi, c'est de la merde. Remboursé. Petit coup de téléphone. Yo, man. It's Jethro, dude. Hey, Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and, don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa! What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Dorrit. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. All right. Ça va promettre des courses. C'est quoi ça, le petit logo là? Ok, messieurs dames, on va dire au revoir aux gens sur YouTube. Ça va être la fin de la VOD parce que ça fait quand même 1h46 là pour la deuxième VOD. N'oubliez pas de laisser du coup un petit pouce bleu et un commentaire. Attention, le chat, vous allez pouvoir poser votre blaze sur YouTube maintenant. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. Moi, je suis toujours en live. Les gens sont ici, juste là. Ding, ding, ding. Allez-y, bombardez. C'est le moment. Allez, salut les potes.